vous allez bien. Plaisir de faire cet épisode, sachant qu'on est dans la période des fêtes de fin d'année. La trêve des confiseurs, on est babacool et je recherche du regard où est ma manette. Elle est rangée là, dans voilà, le tiroir du meuble un peu ouvert. Et c'est très bien. Ah, Stardew Valley, première semaine d'hiver à gérer. Ouh là là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en première idée, une saison morte, il n'y a rien à faire, ça va, vous allez voir que ça va être tout l'inverse. Déjà, on fait du charbon, du bois, pour lutter contre le froid. Alors... Va falloir repenser le... Attends, je connais un qui a pas sa gamelle d'eau. Eh oui, mon pauvre. Salut, toi. Sacré Zeus. Alors, de suite faire le... Voilà. Les champignons mignons. Waouh, elle fait flipper, la... La citrouille. Tiens d'ailleurs. Oh non, je vais peut-être la garder en extérieur, la statue Métribou là. Ah, commençons tout de suite à tester la nouvelle pioche. Non, mais il faut une pioche en quoi? Pour péter ça. Encore que le météore est tombé sur le rebord du lac là. Parce qu'en plein champ, ça m'en fait su. Et. C'est un monolithe. Ok. Ah non, c'est des champignons géants. Il a pourri, il n'y a plus que la base. Oh la vache. Eh ben... C'est beau. La musique, elle est magique. Non, c'est bien, j'ai viré les gros rochers. Bon bah ça me va. Alors... Va falloir réfléchir à pas mal de choses. Merde, non, c'est pas le chemin que je vais défoncer. Ah, bonjour Olive qui tue. Mais je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Ah bah c'est une matinée qui va te plaire. Stardew Valley et Arx Fatalis. Je vais diffuser jusqu'à 14h pour ensuite faire le chain à Aerostar, le grand maître hibou là. Ah, j'espère que tu vas bien, Olive qui tue. Ah, on voit pas la capture de jeu. Merde. J'ai oublié de changer de plan. Ah oui, voilà. Une faute classique de ma part. Merci. J'aurais pu faire une heure comme ça avant qu'on me le dise. Heureusement que t'es là. Merci tout plein. C'est tout moi, j'oublie souvent. Ouais, j'oublie souvent de changer de scène quand je démarre mon. Je fais ma prise d'antenne. Donc voilà, première saison d'hiver dans Stardew Valley. Et en fait, ce que vous avez loupé, c'est que j'ai pété les gros rochers. Puisque j'ai la pioche qui est viable pour ça. Et je vais repenser complètement mon terrain par rapport. Et c'était peut-être les chemins.
complètement mon terrain vis-à-vis du prochain printemps. Je vais essayer d'automatiser pas mal de process. Comme maintenant j'ai récolté moult matériel, je vais essayer de faire des fûts, des arroseurs automatiques, des choses de ce genre là, que je me fasse de la tunasse. Ça, le coût des bocaux serait pas mal. Attends, est-ce que j'ai rangé du charbon dans du... dans des coffres ou pas? C'est pas sûr. Non, c'est pas la meilleure pioche qui tue. J'ai un météore mauve dans mon terrain, j'ai pas pu la péter. Je pensais le faire maintenant et non. Il faut que je sois encore le modèle au-dessus de la pioche. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Oui, alors attends, excuse-moi, je suis en quête de charbon. J'ai commencé... Enfin, non, je suis à la moitié d'avoir fait du tri dans les coffres et c'est déjà mieux. Là, j'ai des coffres par saison. Donc au moins, je... C'est déjà plus clair. Ah tiens, parlons du charbon. Tac. Ah, soupir. Non, il n'y a pas plus de charbon. Arf. Ah, le sapin, là, il va me faire suer. Je vais le dégommer. Alors, lui... Lui, il a eu malheur de se mettre là. Très mauvaise idée. Non, j'ai pas plus de charbon. Merde. Ce qui veut dire... Oh, je pourrais me faire que 4 dans les médias, 4 bocaux. 3 là, il dit en plus. Parce que. Ah oui, j'ai pas assez de pierres. Non, des pierres, j'en ai beaucoup plus. Des pierres, j'en ai beaucoup plus. Voilà. Ma vraie limite, c'est le. Ah tiens, chemin pavé, je pourrais. Oh, je vais attendre. Je vais pas faire le dallage tout de suite. Alors, soyons stratèges pour avoir continuellement des revenus. Bocal, bocal, bocal. Alors, est-ce que je fais en extérieur ou est-ce que j'utilise la pièce intérieure? Non, je vais laisser à l'extérieur. Je pense que l'intérieur me servira d'autre chose. Oui, j'ai même plus de minerai à balancer dans la fonderie. Ah bah que je pense à passer près du chien. Je pense que je vais mettre les bocaux là. Il va falloir que je mette là une malle d'envoi de matos. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Quitte à en refaire une autre rangée plus tard, quelque part par là. Là, je me vois bien clôturer le truc. Le cadeau du maire qui est à l'autre bout, la petite boîte, je la laisse. Ah ouais, ça fait une trotte. Ouais, la petite boîte d'envoi, je vais la laisser. Parce que si je veux gagner du temps et dire clac clac, je balance ça à la vente, stratégiquement, le placement est bon. Et ben je vais pas attendre moi, je vais mettre des fruits là-dedans. Allez-y, que mon hiver me soit rentable. Alors attends, les champignons. Je veux dire que ça, eux, attends. Wesh, ouais, déjà les 10h du mat. Déjà les du mat. Ah. Au printemps, j'ai rien non plus. Ah si, j'ai des ch'tis baies saumon. Eh ben, on va faire les ch'tis baies de saumon. Petite baie de saumon, allez! On en fait des confitures! Bon. Bouc. Merdoum! Ah! Mais non, mais. Comment je fais pour accéder au bois? Attends, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Non!
Ouais, non, faut que je fasse comme ça. Ah, bah alors. Oh là là, dur. Dur, dur, dur. J'ai perdu le coup de main un instant. Les arroseurs automatiques. Les arroseurs automatiques, ça coûte la peau du cul, mais c'est hyper pratique. Ah la vache. Je pourrais en faire combien là visiblement? Que 4. Ouais mais il faut que j'aille à la mine. À la sortie de l'hiver, il faut que je fasse à tour de bras des arroseurs automatiques avec ces ressources-là. Ce serait bon que je pêche aussi. Oh bonne mère, on va avoir du taf. C'est moi qui vous le dis. Où vous du diou? Oui, mais c'est pas l'heure d'aller à la mine. C'est déjà la fin de journée, incroyable. Incroyable. Tiens d'ailleurs, avant qu'il ferme son magasin. Ah, ce serait lui qui fait le bruit étrange. C'est bizarre, on aurait dit une créature les presque méchantes là de nuit. Sauf que lui avait une autre tronche. Il est peut-être plus intelligent que les autres. Oh les décos de Noël, c'est mignon. Attends, c'est moi ou j'ai vu un truc se barrer vers le haut? Je suis en train de poursuivre le loustic là ou quoi? Non, il y aurait des traces de pas dans la neige, je pense. Je suis en train d'en faire, moi. Non, j'ai perdu sa trace. Ça, c'est quoi? C'est la maison communautaire. Oh, du où? Ah, ah, ah! J'ai des traces de pas. Dans le buisson? Ah ouais! Silhouette sombre. Ah, tu m'as eu, je suis désolé. Prends, prends. Cela avait l'air si précieux, je ne pouvais pas m'en empêcher. Quoi? Vous avez obtenu la loupe. Vous avez maintenant la possibilité de trouver des notes secrètes. Quoi? Ces notes révèlent des informations rares et utiles et peuvent être consultées depuis l'onglet collection. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, je peux encore le courser, le gars? Oh merde, attends, il y a du où? Il y a du où? Ah, il est parti par là. Ah non, c'est par là qu'il est arrivé. Merde, je sais plus. Ah oui, comment qu'il a tracé en coupant? Bon, c'est pas grave, il y a des créatures bizarres. Bon, Pierre, du coup, je l'ai loupé avec ses âneries, là. De... Il va encore à cette heure-ci ou il est... Non, il est plus derrière son comptoir. Tiens, t'as gagné du où? C'est pas vraiment ce que je préfère. C'est pas possible de faire pousser les récoltes pendant l'hiver, donc je n'ai pas de graines avant moi. Ouais, c'est bien une saison morte, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Tiens, le médecin, il dit quoi? Sortez avec une écharpe? Nous vendons quelques médicaments en vente libre à la clinique. N'hésite pas à passer pour ça, puisqu'il est trop intense. Je sais que le travail à la ferme... Oula, non, il n'y a pas de zèle là, à travail. Est assez fatigant, ne te surmène pas. De 9h à 15h. Oh la vache. Oui, il fait des déplacements après auprès de ses patients qui n'ont pas de mobilité. Là, c'est pas évident, mais vie de médecin quand même. Mi-journée dans le cabinet et l'autre demi-journée en déplacement. Dur. C'est particulier. Enfin bref. Ah, mes premières récoltes d'hiver! Le crocus est là où? Oh. Alors. Qu'est-ce que je fais du coup? Ouais, faudrait que j'aille à la mine. Est-ce que j'ai... Ouais, il y a des arbres que je ferais gaffe de pas abattre parce que j'aimerais quand même avoir tous les types de... Ouais, là, ça marche pas le coup de du météore.
faut que j'optimise encore, mais je vais pas le faire cette saison, je vais aller tout le temps à la mine, je vais pas me séparer de ma pioche. Ce serait débile. La hache, elle est capable de couper ça? Non plus. Merde. Alors la hache, par contre, je pourrais peut-être demander le modèle au-dessus. Il faut que j'attende d'avoir un peu de tunasse. Ah, oh, yo-yo. Mais est-ce qu'il n'y a pas des surplus que je pourrais vendre, honnêtement? Peut-être des choses dont j'ai pas... Oh, il faudrait que je fasse des tonneaux. Comment on fait les tonneaux? Il faudrait que je fasse de la bière. Je pense que la bière va me rapporter. Ah, résine de chêne. Merde, j'en ai pas. J'ai pas de résine de chêne. J'ai mis le seigneur trop tard. Et encore, la plupart des médecins ne se déplacent plus. Ouais. Ouais, non mais... Ça craint. Mon médecin généraliste est pas contente de... Justement, qu'il n'y ait plus grand monde qui fasse médecin et se démène autant qu'avant. Ou alors, les nouveaux médecins, ils sont sur le format moderne, c'est je bosse 35 heures. J'ai mon copain qui est médecin à la retraite. Tu lui dis, t'as bossé 35 heures, il te rit au nez. Il dit, non, j'ai fait plus du double. Je faisais des semaines de 70-80 heures. J'étais de garde de nuit en plus. Et, waouh, respect. Ah là 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 là, dur dur dur. Merdoum, attends, faut que j'envoie mon artisanat parce qu'il y a peut-être des choses à faire dès le début de l'hiver à pas louper. Ah, peut-être que je pourrais faire 2-3 ruches avant l'arrivée du printemps. Ça c'est viable, j'ai un peu de sirop d'érable. Machine à huile, non, alors, pas du tout. Machine à graines peut être pas mal. Pas mal. Faudrait que je m'en fasse un dès que j'aurai assez d'or en lingots. Métier à tisser, non, j'ai pas de moutmout. C'est pas pour maintenant. Lingots de cuivre, lingots de fer pur. Oh mon dieu. Ah oui, j'ai acheté la recette. De la citrouille. La citrouille lanterne. Attends, celui-là il fait quoi? Il fait... Ah, 24. Oh la vache, c'est énorme. Ah oui, paratonnerre. Ah bon? Avec des ailes de chauve-souris, tu fais un paratonnerre. Ok, Stardew Valley. Wow! Le mélange des champignons, ça fait un élixir de vie. Wom mazette. Wouah. Du... Ah, il faut le faire dans la cuisine. Oh la vache. Et ben heureusement que j'ai demandé l'amélioration cuisine, moi. Voodoo. Oh là 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 là. Je sais pas si j'aurais du surplus à balancer en vente. Couvrez-vous, mes amis, il va neiger demain. Ah, bonne blague. Ouais, j'irai à la mine. Vivre à la ferme. Regardez, vivre à la ferme, blablabla. L'hiver. Un moment où le monde entier devient silencieux. Le moment est venu de faire de l'exploration minière, de la pêche et de la cueillette. Ah oui, c'est vrai. Améliorez vos outils en vue d'un printemps productif. Voilà, ça c'est malin, c'est des bons conseils. Bonjour la Jed. C'est plus des médecins maintenant, ce sont des secrétaires. Médical, ouais. Améliorez vos outils d'un printemps productif. Sinon, demandez à votre charpentière la... Quoi? Ah oui, la cale de... Quoi? Ah, charpentière locale. Oh là, la césure des mots. Demandez à votre charpentière locale de construire quelque chose sur votre ferme. Stockez des ressources, procédez à des améliorations et préparez-vous à l'année à venir. Tu m'étonnes. Non, attends, je vais pas pousser le chien. Bon, les coffres à côté, j'ai rien. J'ai vraiment que plus qu'à vendre. Si les pierres, j'ai du rab. Est-ce que vendre les pierres, ça rapporte?
Alors, cristaux de terre, j'en ai pas mal. Je verrais pas quoi qu'on en fait quelque chose. Mais c'est vrai que ça peut être des cadeaux aussi à certains villageois. Oui, parchemin des nains, j'ai trouvé les trois. Alors, c'est bizarre, le cristal de terre, j'ai l'impression qu'on en fait quelque chose. Il est trop courant. Ouais. Oh là, le boxon, c'est mal rangé. J'ai tout et n'importe quoi. Bah tiens, j'ai encore du cristal de terre, là. Homme de nain, ouais, j'ai... Ah, il y a des restes de monstres, mais... Ouais, petit à petit, je ferai du tri. Ouais, de l'arzoise, l'argilite. De toute façon, ça, c'est plein de trucs que le musée a déjà, donc... Est-ce que je vends les trucs de la mer? Bon, on verra après. Allez, go. Alors, attends, je te mets ça, je te mets ça, je te mets ça. Je te mets ça. Voilà, que je me loupe pas. Ok. Je sais pas si ça va me rapporter de la thune, on va voir. Découverte totale. Frigo, est-ce que j'ai des plats? Enfin, frigo. Ah oui, là, il me dirait. Ouais, j'ai deux mots et machin. Oh, champignon frit. Ah oui, c'est vrai que j'en ai plus. J'ai plus que le champignon brut. Ouais, il faudrait que j'ai plus de morilles, en fait. Bon, bah, go dodo. D'accord. C'est toujours ça de prix. Puis ça me libère des emplacements dans les coffres. Oh, oh, c'est mignon. Courrier. Salut Samantha, je voulais juste te tenir encore sur un nouvel objet que tu possèdes. Ça s'appelle une déchiqueteuse de bois. Tu peux utiliser pour transformer du bois dur en plusieurs morceaux de bois ordinaire. Le bois dur, il est plutôt rare. Je sais que le bois peut être difficile à trouver en hiver, donc si ton stock diminue, envisage de te procurer une déchiqueteuse. Robin. Merde, j'ai encore du courrier. Salut, j'ai un petit défi pour toi. Attrape-moi un calmar. Ah, c'est le pêcheur. Si tu peux les pêcher pendant la nuit dans la mer. Cependant, on n'en trouve qu'en hiver. Ah, choper un calamar de nuit. Waouh. Pourquoi pas. Attends, j'ai une nouvelle entrée. Oui, d'accord. Ouais, non, c'est bon. On va pas repêcher un calamar que je peux potentiellement faire aisément. Je vais peut-être éviter de me trimballer avec mon arrosoir, moi. Je vais le ranger dans le... là-dedans. Allez, on va aller à la mine. On va pas tâter des monstres et casser des cailloux. Coucou, toi. Ouais, je prendrai les champignons au retour. Alors, faut que je fasse gaffe de bien gérer l'heure sur la mine. À un moment, il faudra qu'on aille aussi à la maison communautaire. Je crois que j'ai encore 2-3 trucs à y déposer. Des cases que j'ai pas remplies dans les... Baguette de Berber et 3 verres qui se battent en duel. Oula, il y en a pas mal. Oh merde, j'ai rien. Oh, j'aurais peut-être dû penser à faire un cadeau à Linus. Le pauvre, dans sa tente, il doit se les geler. Mignon. Ah, ah, ah. Ah, j'en étais au 50. Putain, je me souvenais pas que j'étais au niveau 50. Il y en a 120, je crois. Oh merde! C'est quoi ce truc? Oh là, c'est un fantôme! Ouah! Ouh! Oula! Oula là, va y avoir de l'action là! Alors c'est bien, comme la semaine précédente, j'avais fait zéro mine, zéro minage. J'avais fait que de l'entretien de la ferme. Du coup, ça rééquilibre d'un épisode à l'autre les activités. Voilà, le minage, ça va y aller.
Minage et baston. Putain, mais il est coriace le fantôme. Wow. Je sens que mes armes sont plus adaptées là. Ah. Ah, cool. Attends, déjà je veux récupérer les. Ah, ouais, ouais, ouais. Je veux du minerai. Merde, ça c'est une chauve-souris là. Attends, il y a du minerai spécial. Ah, il y a des ennemis spéciaux aussi. Oula, 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 oula. Ils se sont donné rendez-vous là quoi. Je suis en train de me faire un papaouté. J'allais dire, faut les acculer dans un angle et les exploser. Les gélatineux là. Gélatineux de midu. Putain, mais il y en a combien? Oh, ce filon merveilleux. J'aime beaucoup ce que je vois à l'écran. Merde, il m'a englué. Non, le gélatineux m'a englué. Au secours. Voilà. Alors. Attends, je m'épuise un peu et je mange un truc histoire de remonter et l'énergie et la santé. Au moins, je vais rentabiliser mon dopage en champignons, là, de la meilleure façon qui soit. Allez! Ouais, magnifique! On met plein les fouines. Il y en a des choses. Oh, il y avait encore une chauve-souris. Tiens. Linus disait, il y a plein de passages dans le... Non, je peux pas le prendre. Oh là, merde. Il y a un fantôme. Alors c'est... c'est le gélatineux qui va se faire plus baigner que le fantôme. Mon dieu. Voilà. Attends, si je peux avancer en même temps et patater un autre ennemi simultanément, ça me va très bien. Faut que je fasse gaffe à ma santé là, j'ai une prise de risque. Voilà. Oh, de l'or, trop bien. Oui, alors là, faut que je mange là parce que... Ouais. Allez, encore un petit coup, c'est pas perdu. Encore un petit coup, il me faut aussi des cailloux. Oh, géode. Géode de gelée. Ça va donner du boulot au forgeron, je vous le dis, moi. La géode jolie, la 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 la. Oh oh, c'est un nouveau minerai ça. Ah non, c'est du cuivre. C'est des bêtises. Oh, une sacoche. Bah alors, qui c'est qui a perdu ça? Oula. Une note secrète. Waouh, c'est énorme. Oh. Mais le gélatineux là, il me les brise. Ah, merci. Attendez, va falloir que je fouille la sacoche. Ah, qu'est-ce donc? Ah, c'est un bonus de charbon. Ah, sympa. Bon. C'était quoi la note secrète? Alors, elle est vieille et froissée, mais si vous regardez plus près, vous pouvez distinguer des détails. Comment? Ah, c'est le coup de la loupe, là. Attends, je m'en sers comment de la loupe? Ah, c'est pas ça? Non, c'est les lettres, c'est pas ça. Oh, j'ai que 4 succès sur je sais pas combien. Artisanat. C'est bizarre. Bon, je verrai plus tard. C'est pas grave. Merde, mon inventaire se remplit un peu vite, je trouve. Ouch.
Oula. Oula là. Oula là 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 là. Ouais, je l'ai eu. Je sais plus comment on les lit les notes comme ça. Oh, je finirai bien par trouver, Olive. Je finirai bien par trouver. La vache. Oula, c'est une grande grotte, c'est une grande arène, ce sous-sol. Je vole des cailloux, je vais faire plein de trucs avec les cailloux. Ouais, je vais faire du sol de rétention aussi, c'est vrai. Ça rentre dans la recette. Ah, mais il bondit vite, lui. C'est qui me ferait la peau, le salibot? Ah! Un autre gélatineux qui était contre la paroi. Je l'avais pas vu. Non, on va mourir. Oh, merde. Ah, oh, du jade. Ah. Chauve-souris de la moitié. Ouais, j'allais dire la chauve-souris, je lui fais pas confiance. Ah merde, il y en a une autre. Oh l'autre, il a les yeux rouges, le gélatino. Il est vénère. C'est mis en mode rage. Vite, mangeons. Voilà, je suis limite avec la santé, moi. Wow. Attends, les gélatineux, je les ferai après parce que je leur mangerai un champignon d'ici là. Ah, c'est du topaze. Ouais, ça, c'est la suite. Mmh. Et c'est juste une... Ouais, ici, le sous-sol, c'est circulaire. D'accord. Ouais, non, je vais me barrer. Je me souviens. Aïe! Bon, allez, je me barre. Oula. Ouais, il y a pas mal à casser. Oh merde! Il y a un fantôme. Attends, il va me poser problème, lui. Ah, j'ai un coin à casser les cailloux. Il a fait me toucher. À mon avis, il me touche, il m'emporte dans la moelle. T'es... Ah. T'as un coup de pioche, un coup de massue, un coup de pioche, un coup de massue. C'est beau. Aïe. Ah, vilain fantôme. Non, tu viendras pas hanter mes nuits. Non. Burp. Oh merde, chauve-souris en plus. C'est un gélatineux que je vois en haut de l'écran, je crois. Enfin, vous le voyez pas parce que j'ai mon habillage de chaîne. Ah, en plus, je suis au sous-sol 54. C'est rigolo, c'est mon département. C'est rigolo. Merde, je gère mal, je vais me faire avoir. Je gère mal, je gère mal. Ouais, manger champignons. Ah, chauve-souris qui est posée, tiens. Merde, oum. Oh, l'autre. Oh là là. Comment qu'elle m'a eu. Oh, la vilaine. Merde, il est déjà 20h. Non. Faut que j'atteigne le sous-sol pour valider et puis... Faut que je rentre chez moi. Oh là, il y a des boules qui sautent qui veulent en découdre. Les oursins des grottes là. Un gars. Aïe, 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 aïe. Vache, ils bondissent vite. Vite.
Faut que je trouve la sortie, mais par le bas. Encore. Attention, là, dans mon dos. Dans mon dos, quelle est la vilaine? Viens par ici, vilaine bite. La vilaine bite de la nuit. Merde, il m'a englué. Oh, lui, il m'a eu. Il m'a gangbangué d'entrée de jeu. Ah bah merci, c'est lui qui m'offre la sortie. C'est comme ça qu'on fait. Ouais. Les champignons, j'aurais jamais... Ah oui, j'aurais pas assez de place pour les champignons, merde. Il faut que je vide mes poches avant d'aller à la grotte aux champignons chez moi. Yop, cousin. Merci à toi du coucou. Oh, le lapinou. Ah oui, il y avait trois verres qui se battaient en duel, mais tant pis, je les ignore, parce que vu l'heure, là, c'est un peu... Ça dépend, c'est quoi les champignons? Ils sont variés ou c'est tous les mêmes? Ah, ils sont variés quand même. Oui, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Attends, si j'ai le temps de revenir... Ah, non. Ah, ça fait... Putain, ça va prendre toute la nuit. Pour faire de la gelée. 31 cailloux seulement? Ah, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Je suis déception. Note secrète. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Je réfléchis. Excusez-moi. Ah bah tiens. Lui, il a fini. Allez, hop. Oh, de prunes sauvages. Ouais, oh. Le minerai, ouais, je le garde sur moi. Ça, je le mets dans le frigo. Ça, ça va dans les pierres. Je peux mettre la géode là. Les restes de monstres, ouais, c'est ici. Merde, la géode, c'est pas là. Racine d'hiver, c'est dans le coffre d'hiver. Même dans ce coffre, ça va pas. Jonquille, c'est le printemps normalement, je crois. Pareil, le houblon, je vais le mettre dans le... Oh, le houblon, c'est en printemps ou c'est en été? J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Attends, les jonquilles... Ouais, le houblon. Truc de printemps. Oui, sûrement le réfort. Ouais. Été, on va plus tard. Hiver, j'ai mes premiers trucs de racines d'hiver. Dans le coffre. T'as la vache, tout bien faire dans la règle de l'art, c'est pas évident. Bien, bien rangé comme il faut dans les coffres de bonne couleur. Selon ma propre logique. Dur. Les roches, je peux en mettre là des roches. Allez, jade et topaz. Bah tiens. Il faut pas que j'oublie d'aller rechercher le champignon restant dans la grotte. Non, la note, je vais l'embarquer dans mon chez-moi. La note, pour être sûr de pas la zapper. Alors, truc de monstre, c'est là. Voilà, je commence à y voir plus clair. Le reste ira dans le frigo. Là, j'ai du minerai. Non, retourne-toi, Samantha. D'ailleurs, je suis nunuche. Voilà, autant faire du charbon. Ah non, 23h30, non, ça fait trop tard. Tant pis, c'est pas pour un champignon. Je veux qu'elle récupère son énergie, surtout. Oh, merde. Niveau supérieur, j'ai un choix à faire. Niveau 5 d'extraction minière. Alors, mineur, plus 1 de minerai par veine ou géologue. Possibilité pour les gemmes d'apparaître par paire. Les gemmes par paire, ça peut être pas mal. Hein. Ou plus 1 de minerai par veine. Ah, géologue. Parce que si je revends plein de pierres, ça rapporte de la thunasse aussi. Je préfère géologue. Mais c'est sympa le choix...
de spécialisation, c'est pas mal. 200 le pot, oh la vache. Ah bah avec ma rangée des 5, ça fera 1000 potentiellement par par prout-prout. Merde, j'avais dit que j'rangeais ma note secrète dans mon coffre intérieur. Là, je vais m'accumuler dans le coffre noir. Ah, dans le frigo, faut que je mette des choses dans le frigo. Voilà, chachez bas. Je vais peut-être me faire stratégiquement une assiette pour me requinquer à mort. Ouais, de champignons frits. Parce que la vache, je dois reconnaître que c'est violent là, la mine. Là. Je suis à la moitié de la profondeur et... je commence à serrer les fesses quand j'y descends. Alors attends, que je mette un truc à faire... à faire mariner. D'ailleurs, c'est bête. Stratégiquement, j'ai pas profité de la nuit. J'ai pas malin, moi. Ah, mais non. Ouais, une baie de saumon. Fais mariner la baie de saumon. Petit air subtil de piano. Le charbon est prêt. Faut pas que j'oublie d'arroser la gamelle du chien. La gamelle du chien, la gamelle du chien. Je vais prendre mon arrosoir et faire les champignons. Ouais. Faut que je fasse les champignons le matin et arroser la gamelle du chien. Ah oui, ça met du temps à mariner quand même. Vache. Oh cool. Le sapin donne toujours. Ah, elle fait peur la citrouille. J'ai posé une citrouille à l'angle de la grotte et elle a perdu de sa couleur orange. Trop flippant. Je sais pas si c'était prévu ou si c'est un bug, mais c'est trop bizarre. Je sais même plus où je range la sève de pain. Moi. Ouais, c'est là. C'est là, c'est là. Bon bah je vais retourner dans la mine pour changer. Il faudra que j'essaye aussi un jour de gestion et de pêche dans la semaine. Merde, non, c'est là-haut qu'il me faut. Eh, hey, si j'allais voir le forgeron, attends, j'ai 5000. J'ai combien de lagros d'argent? Je peux peut-être lui demander d'optimiser ma hache. En attendant, ce serait peut-être pas mal. Attends. Bah, tiens, justement, je vais m'en faire un. Ah bah j'en ai 8. Ah ouais, je sais ce qu'il me reste à faire. Minute papillon. J'ai optimisé mon matos, là, comme il conseillait dans l'émission télé. Hop. Oh, c'est quoi? Un igmam des neiges. Oh. Oh, un bouquin. La bibliothèque s'est agrandie. J'avais trouvé un livre perdu. Le livre perdu. Alors, le forgeron. Mais attends, du coup, il vend quoi, lui? Ah merde, il est fermé le mercredi, comme par hasard. Oh. Oh, le beau gosse, alors. Alex, oh, il fait la gueule. Les gens ne sortent pas souvent pendant l'hiver et font des choses ennuyeuses. Oh. Ah, c'est quoi les défis du mois là? Oh, il y a un gros truc. Alors, omelette de Gus, salutations, j'ai besoin de 2 douzaines d'œufs. Non, je fais pas de. J'ai pas de poulailler. Superpopulation aquatique, besoin de connu calamar et surpopulation, j'ai besoin d'un pêcheur roquette pour en réduire le nombre. En 5 jours, bon, on va voir. On va voir, c'est peut-être lié à l'autre quête. C'est quoi? C'est un calmar qui voulait? Ouais, pêcher un calmar et. 10? Ah la vache, autant il y en a un qui m'en demande 1, l'autre il m'en demande 10. attends, c'est un fruit que j'ai vu? Ah non. Oh! Oh, j'ai gagné du pain. Il est fou lui.
fait plein de choses avec du pain rassis. Oh, les noiseaux. On a vu les noiseaux. Améliorer mes outils. Allez, au boulot, beau gosse. Fais-moi une hache d'acier. Merci, je commence dès que possible. Ça devrait être prêt dans quelques jours. Ouais. Ouais, j'en ai pas vraiment besoin de la hache pour le moment. On va aller à la mine. On va aller à la mine. Je sais même plus où est le chemin à partir d'ici. Ouais, c'est... Bonjour, Nayonet. Ouais, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté, la mine. Il faut aller dans le... Ah, puis pourquoi pas faire le centre communautaire également. Ah, puis apporter un truc à Linus. Et on va le retrouver mort congelé sous ses draps gelés dans sa tente, le malheureux. Alors, 55. Attention, ça va être la guerre, là. La guerre au fond de la mine. Merde, il a réussi à s'échapper de l'angle. Je l'avais coincé. C'est une pub dans le monde de vidéoludique. J'aurais pas apprécié un autre thème. Quoi? Heureusement que c'est une pub dans le monde de vidéoludique. J'aurais pas apprécié un autre thème. Ah, tu t'es coltiné une pub en te connectant à ma chaîne. Et normalement, vous êtes censé avoir qu'une seule pub au grand maximum dès que vous vous connectez. Apparemment, la pub était pas cool. Hein, ouais. Encore une note? Non, mais c'est pas possible. Je vais avoir un bouquin avant la fin de l'hiver. C'est un festival. Ah, je peux me barrer si je veux. Attends, moi je veux du caillou, moi. Je veux du caillou, la 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 la. Je veux du caillou. Mais c'est pas possible. Mais c'est n'importe quoi. Ah merde, il y a un ennemi. Oui, oh, je me barre. Je me barre plus bas. Alors, attends. Oula, il y a des excités. Oula là. Oula. Il y a un fantôme aussi. Oh merde. Il est rentré en moi, le fantôme. Quelle horreur. Oh, les chauves-souris s'y mettent. Attends, ramasse le truc. Ouais, ça libère le machin, mais... Oh bah, magnifique, la chauve-souris. Ah ouais, elle est devenue vénère. Bon, c'est bien, je peux déjà me barrer si je veux, mais... Ah, le fantôme de mes deux. Y'a quoi là-bas? Oh, y'a un truc là-bas. Oh là là. Non! Mais c'est n'importe quoi ce jeu. Attendez, je vais manger le pain, je vais libérer une case. Voilà, je prends de l'essence solaire déjà. Je pense que c'est plus précieux que la note. Mais je vais bien, Nayonet, merci. J'espère que toi aussi.
C'est juste que là, le jeu, il me guaque avec je sais pas combien de notes secrètes maintenant. Il m'en met partout. Depuis que j'ai coursé un étrange Gugus noir au premier matin de l'hiver. Et il m'a donné une loupe. Enfin bref. C'est surréaliste. Le coup de la loupe pour lire les inscriptions en tout petit, là les microfilms, on va apprendre que dans tout Stardew Valley, c'est tous des espions. C'est un nid d'espions, Stardew Valley. Ils écrivent plein de trucs confidentiels, griffonnés en tout petit, et seule une loupe spéciale permet de consulter les données. Oh! Incroyable! La chauve-souris m'a donné un instrument. Non, mais c'est n'importe quoi ce jeu. J'adore. Attends, ça je peux le manger pour libérer une case? Ouais, ça va me libérer une case. Non, bah non, je vais pas manger mon plat. Je suis pas si défoncé que ça. Attends, il m'a donné quoi là? Un maillet! Un maillet en bois. J'en fais quoi? Oh! Oh la vache, c'est une arme! Attends, 9-16, et là il me dit 15-24, oh vache! Oh mazette! Alors attends, je vous lis dans le chat, j'arrive, bam, une plume de merde, enfin bon, faut bien gagner des sous-sous et faire tourner l'économie. Ah oui. Alors, depuis que j'ai dit que j'avais mis un bloqueur de script de pub peu de temps après, pub sur chaque stream où je vais, j'aurais mieux fait de fermer mon clapet au lieu de diffuser l'astuce autour de moi, et ça m'est retombé dessus. Oh, je pense pas qu'il y ait un lien entre ça et... Par contre, il y a peut-être effectivement une ruse. Alors, je m'informe pas à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a eu une contre-parade, comme on dit chez les militaires. Les diffuseurs de contenus commerciaux, donc de pub, ont peut-être maintenant obligation de détecter sur les postes clients les bloqueurs de pub et se donne un droit de riposte, s'octroie un droit de riposte, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Ah là 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 là, attendez, pardon. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu du sirop d'amande, autrement appelé plus communément sirop d'orgeat. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Mais c'est fichu notre secrète, je peux pas... Comment on les lit, moi? C'est pas collection. Non, c'est pas ça. Parce que si je pouvais les jeter une fois que je les ai... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah bah tiens, on va tester le maillet. Tiens, vas-y, que je teste le maillet contre toi. Oh! Je l'ai déboîte! Venez tous là que je vous défonce! Super arm! Violence! Violence minière! Attention! Wow, deux chauves-souris! Allez, je vous attends tous! Allez, les trois en même temps! Ouais! C'est la guerre! C'est moi le plus fort! Ouch! Ah non, je suis englué! Wouh! C'est la guerre thermonucléaire! Non, mais je peux pas prendre vos trucs là, vous abusez les gens! Non, puis vu l'heure, je vais pas atteindre l'autre sous-sol parce que. J'ai repris celui-là. Non mais c'est pas vrai, il y en a combien là? Non mais arrêtez avec vos... Oh là là! Mais c'est pas possible! Il pleut des notes secrètes dans la grotte là. C'est n'importe quoi. Là c'est un peu dommage parce que c'est complètement déséquilibré. Il n'y en avait pas avant et maintenant il n'y a plus que ça. Oh là là, le carnage. Attendez, attendez. Lui, je me le fais.
Puissance. J'ai la puissance. Oui, ce carnage, c'est Malveillus. Coucou. Bonjour, Tunsen. Alors, ils sont où les minerais de luxe? Bon, j'avais dit que je voulais des cailloux. Là, ça va m'en faire 10 d'un coup. Voilà, c'est cool. Attends, hop, je profite. Hop là. Il y a des cailloux à péter. Et moi, ça me va. Ça me va, ça me va. Didou, didou, da. Ça me va, chiboudi, bouda. On regarde juste par curiosité ce qu'il y avait dans le sous-sol inférieur et hop. Bon, patate, encore une chauve-souris. Ah oui, oula, j'ai bien fait de... Ça aurait été dommage de fermer des yeux sur du quartz. On va aller raffiner à la fonderie. Et avoir de nouvelles technologies. Ouais, non, ça n'a pas l'air génial ici. Ah, ah, ah. Attends, 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 j'ai mal parlé, j'ai mal parlé. Il y a un filon de... Oh là 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 là. En fait, t'arrêtes jamais. Vite, vu l'heure. L'heure, 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 l'heure. Ah, faut qu'elle rentre chez elle, Samantha. Là, il y a des graines, on s'en fout. Allez, remonte, remonte, remonte. Barre-toi, 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 barre-toi. Quitte la mine. Barre-toi. C'est l'heure de rentrer chez toi. Ah, bonjour, Fanfan. Schmoing. Oula. Je commence à avoir des rejets de sapins un peu partout. Rapidement, rapidement, je vais vider mes poches rapidement. Alors, que je range les bons trucs au bon endroit. Au bon endroit. Oui, bah il y a ça. Ici, il y a les pierres que je peux... Ouais, bah non, le minerai, je vais le mettre là-haut. Ouais, non, en fait, le plus gros du truc se passe là. Tac. Ouais, tac, tac. Les géodes ici. Les restes de chauves-souris, les cailloux, je les ai pas reposés, mais merde. Non. Ah, il va être déjà mini dans le jeu. Bordeloum. Non. Oui. Ah, vite, il est midnight. Vite. Oh, pile poil. Wow! Alors, 4 en combat, plus 5 points de vie, recette de anneau du guerrier. Oula! Je peux me confectionner un anneau du guerrier. Ah, vivre à la ferme. Alors, c'est quoi l'émission? Vous demandez comment mettre la main sur du quartz raffiné. Il suffit de mettre un vieux quartz ordinaire dans la fournaise, vous aurez besoin d'un morceau de charbon pour alimenter le feu. Je le savais déjà. Alors, les notes secrètes de mes deux, là. Je sens que mon coffre va en être blindé. Alors, l'arrosoir. L'arrosoir pour le chien. Faire les champignons. Mais on repart pour la mine. Non, le chien, là, tu vas pas m'aider en faisant ça. Tu vas pas du tout m'aider. Voilà, merci d'avoir détalé. C'est ça. Je vais à la mine aux champignons. Il a tout compris. À la mine, la grotte aux champignons. Bonjour Yokurt. Bonjour et bienvenue. Ah si, les arbres font de la sève. Ah bah attends, 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 attends.
C'est pas ce qu'il me faut pour faire des tonneaux, moi. Ah si, c'est ça. Ah. Attends voir. Bah je vais peut-être pas aller à la mine aujourd'hui. Je vais peut-être rester dans la ferme et faire le centre communautaire et de la gestion. Parce que si j'ai les tonneaux, ça m'intéresse. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux. L'achat de nouveaux jeux sur le chemin. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Oh la vache. Où est-ce que je vais mettre le tonneau? Merci, merci pour le joyau, yogurt. Merci. Attendez, j'ai pas réfléchi à la localisation côté pratique pour les tonneaux. Je vais les garder sur moi et je vais voir. Dès que je me dis tiens là c'est intéressant, je les dépose et basta ça. Ouais. Et on va faire la maison communautaire là pour changer un peu. Ça y est, j'ai encore les vers qui se battent en duel. Ah, je retrouve un Igman des neiges. Oh, est-ce que je mettrai pas les tonneaux sur la vieille dalle béton? Est-ce que je les mets là? Ah, ce serait peut-être pas mal de les mettre contre la... Ou là, je fais un chemin. Ouais, mais j'ai l'arbre... Wow. Non, c'est pas malin. C'est pas malin. Ah merde, j'ai oublié de remettre des trucs pour faire de la confiture. Oh. Bah, tonneau, de toute façon, ce sera forcément du houblon. La bonne digue. Ah, l'igmam des neiges, il va aller là. Wouh! Oh! Alors attention avec les émoticônes, Yokurt. Mais merci, c'est gentil. Oulala. Tu vas redéclencher possiblement l'alerte, là, effectivement. Confiture de mur. Je vais me spécialiser dans la confiture de mur. Ah oui, alors. On n'en parle pas. Attends, pourquoi j'ai mis... Ah! Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux. L'achat de nouveaux jeux sur le chemin. C'est vraiment très gentil. Attends. Bisous. Ah non, c'est moi qui extrais du. Oh, j'ai fait un truc débile. Bisous. Ah si, il le fallait. Alors attendez. Ah merde! Il le faut aussi pour. Oh là là! Il me faut plein de trucs pour la maison communautaire là. Oula, il est en train de me faire flipper le machin. Ah, ou alors proche de la maison, c'est pas con. C'est pas con comme je reviens toujours à la maison, autant que ce soit à portée. Ouais, je vais faire mes premières mousses. C'est bon ça. Ouais, ça me semble logique. Puis c'est beau, ça fait une continuité dans le bois, ça fait joli. Ouais, je pense que j'ai pris la bonne décision. Je suis confiant. Bon, faut que j'arrête de tourner en rond là parce que je perds du temps précieux. On va ranger le houblon. Ah, une voiture, une Chevrolet. Oh là ! Alors là, t'as un modèle de NASCAR. Les voitures, justement, dans les anneaux américains. Ouais, ah oui, tu peux le dire. Niaou.
avec leur grande crainte qu'ils appellent The Big One, dans cette discipline, hein, je précise. The Big One, un gros crash de... gros carambolage de bagnole à haute vitesse, quoi. Le pire cauchemar qui soit. Sinon, The Big One... Alors, chaque fois, ça que je sache en anglais, du moins du côté des États-Unis d'Amérique, ça désigne toujours un événement gigantesque, malheureux, dangereux. Quand tu dis The Big One, de manière générale, tu leur fais penser à la faille de San Andreas et le risque qu'un jour ils puissent avoir à nouveau un énorme séisme avec énormément de dégâts. Ils appellent ça The Big One. Oui, les anneaux américains, oui. Mon dieu. Mince, attends, je fais des bêtises. Oui, centre communautaire, mais attends, j'ai plus que ça dans l'inventaire. Du coup, je vous fais la causette et puis je joue mal. Merci pour l'acte de fidélité, Yorker. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je mette encore dans le centre communautaire, moi? Ah, la citrouille. Ouais, mais attends, qualité or, je m'en sépare pas comme ça. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Ouais. Ça attendra aussi le truc qualité or. Eh ben, c'est déjà pas mal, ça. Non, ça, c'est bon. Non, y a rien. Est-ce que là, j'ai des trucs qui clignotent? Ah, oui. Ah, bon? Non, du blé, j'en ai deux, c'est pas... J'en ai pas assez, je pense qu'il veut un truc... Ah, de l'essence solaire. Les slimes, les ailes de chauve-souris. Attends. Le slime, je crois qu'à un moment, il en fallait 99. Hein, donc, je vais pas le prendre. Je me souviens d'un 99 avec le slime. Mais merde! C'est pas ça que je voulais faire. Ah! Misclic, comme diront certains. J'ai merdé mon clic. Ah, coquillage, ouais. Voilà, l'inventaire est plein. Allez, on file à la maison communautaire, ça, par là-bas. Ah oui, c'est soit le jeu, soit le chat cherche sage. Et j'ai pas compris ce que tu voulais sous-entendre, Nayonet, pardon. C'est soit le jeu, soit le chat. Oui, non mais bon, la gymnastique Twitch. De jouer, d'essayer d'être attentif vis-à-vis de son public. Oui, c'est une gymnastique particulière, là, oui. Mais bon. Aquarium. Oh, j'y crois pas du tout. Aquarium, non, je pêche rien en ce moment. Alors, on va faire dans l'ordre. Recherche de terrain. Ah, lui, j'ai. Lui, j'ai son coquillage. Oui, collection terminée. Alors, c'est quoi? J'ai gagné l'amitié de... Ah, j'ai gagné un truc. Ouh! Machine de recyclage. Transforme les déchets de pêche en ressources. Ah! Et ben voilà. Comme quoi, rien ne se jette. Colorant. Alors, elle, j'y crois pas du tout. La Emily, là... Pff. Ah, enchanteur. Alors, grenade, j'en ai une. J'en ai... Ah, il voulait de la résine aussi. Ah, c'est elle qui veut le fourrage. Ah oui, j'en ai pas assez, ouais, effectivement. Paquet du chef. Ah, je pourrais apporter du sirop d'érable aussi. Mais ce jour n'est pas venu. Alors qu'il y a une Juminos qui est en train de... d'embarquer le paquet, là, le beau coquillage. Merde, alors ça c'est le truc de la thune. Je le ferai sûrement en dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non. Tu peux pas faire les deux en même temps. Tu as dit que tu t'emmènes les pinceaux à lire le chat et quand tu retombes sur ton jeu, tu perso à deux doigts de mourir. Ouais, oui, bah oui, non, mais bon. Voilà. Ah, oh! Ah bah tiens, j'ai plus d'ailes de chauve-souris que de... Ah bah merde alors. Ah, il y a de l'essence du vide aussi qui est demandée. Eh ben, je vais faire ça.
le paquet d'aventuriers. Ouais, collection terminée. J'ai gagné. Récompense. Que je ne peux pas prendre puisque j'ai plus de place dans l'inventaire. Une petite bague magnétique. Augmente légèrement votre rayon de collecte d'objets. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, mais du coup, là, je me débarrasse de rien. Attendez. Une minerai de cuivre. On va le jeter par terre. Non, est-ce que je peux le jeter par terre? Ouais, il est par terre. Le jeu est cohérent. Ah bah voilà, c'est les emplacements de bagues. Donc je relibère le... Oh la vache. La gymnastique, toi. Donc ça, c'est bon. Paquet de forgerons. Oh! Le bol. J'avais mes lingots sur moi. J'en fais un en or et j'ai un truc bonus. Oh, ça viendra, forcément. Paquet de géologue. Oh merde. Ah dommage, j'ai pas pris les cailloux. Ah non, le rouge, j'ai jamais eu. Quartz de feu, oh, ça doit être les derniers niveaux dans la lave. Je présume. L'arme gelée, non, j'en ai pas. Alors, monsieur Juminos, attention. Je passe. Je passe ou tu trépasses. Oui, ils sont à la fête, je vois ça. Voilà, ils sont partout, les Juminos. Alors, récolte d'automne, non. Paquet animal, certainement pas. Artisan, ah oui, j'ai la grenade. J'ai une grenade. Récolte de printemps, non, c'est pas le moment. Récolte de qualité, va te faire en papaouté. j'ai tout fait, je crois. Ouais, non. Et ça, c'était quoi déjà? D'automne? Ouais. Oh, quand je repasserai, je compléterai. C'est sympa, c'est sympa. Ah merde, y'a rien là. Je vais dans la salle où y'a que Puik. Alors. Oh! Eh, réparation du pont, c'est pour bientôt. Ah bah là, il manque du bois dur. Ah bah quand j'aurai ma hache. Cueillette d'hiver. Wouh! Oh, je crois que j'ai tout. Oh oui, j'ai tout. Oh, je suis trop fort. Non, pas ça. Ça, le crocus. Le crocus, il va là. L'igmac des neiges, il va là. Et le fruit de cristal, il va là. Yeah. Oh, trop bien joué. Encore un cadeau de Noël. Des graines d'hiver. Des graines d'hiver. Oh merde! Je vais pouvoir faire de l'agriculture alors qu'on est en hiver. Oh, c'est énorme! Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Oui, merci le Juminos. Attends, bah merde alors. Alors ça, pour une surprise, c'en est une. J'ai des graines hivernales. Voodoo. Alors franchement, gymnastique très dure, surtout dans les jeux où il y a beaucoup d'action, et surtout contre une intelligence artificielle chevronnée dans un STR, ou encore un jeu de course de bagnole, impossible, oui, très dur de discuter en vocal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai programmé mes alertes avec une minute de décalage. Entre l'événement dans le chat, je sais pas, là, il y a un relais de chaîne, il y a un joyau, comme tout à l'heure, merci encore, Joker. J'ai une minute de décalage où moi ça me prépare de me dire il faut que je fasse... Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Mon ordi a planté? Oh, j'ai eu un gel. Alors s'il y a un gel, c'est moi. Excusez-moi, mon ordi a... Waouh, ça m'a fait bizarre. Ça me permet justement de me faire pause à un moment opportun pour pas ruiner ma partie en fait. Alors ça, j'en reviens pas. Les graines d'hiver... Les graines d'hiver. Le recycleur. Mes déchets, ils sont dans la boîte noire. Alors attends, je vais mettre le recycleur ici, moi. Je peux rien mettre, là? Ah, l'espace est réservé. Il va se passer un truc ici. Non, je peux pas le mettre là, lui. Oh, il y a un train!
Il y a un train-train quotidien qui passe. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Alors, les déchets de la pêche. C'est décassé. C'est un déchet de la pêche. Voilà, exactement. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. Il faut que j'arrange mes trucs. Ouais. Les grenades, je les considère de quoi? De l'automne? Parce que c'est vrai que j'en ai récolté en automne, donc je les rangeais en automne, les grenades. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais ça a le mérite d'être rangé. Non! Oui, alors, récolte d'hiver, voilà. Oh bah merde alors! J'arrive pas à me dire que je vais... Du coup, il faudra que j'arrose. Ah, puis il faut que je remette les épouvantails, moi. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire, là. Alors, attends, j'en ai 30. J'ai essayé de faire 3 fois 10. 6, 7, 8, 9, 10... oui, je pense que je peux tout regrouper dans le machin. Ah, du coup, il faut que je ressorte l'arrosoir et que je... Voilà. Attends, calmos, Zeus. Non, mais il est tout fou, là. Oh, sympa. Alors, hop. Alors on arrose et on met un épouvantail. Oui, on t'entend. Sacré Zeus. Oui, non, t'as ton truc dans la gamelle. Alors, oui, garde le champ, Zeus, le temps que je repose un épouvantail. Oh, cool! Wow, si ça donne du quartz raffiné, je suis pour. Merdoum, tiens, j'en fais des erreurs de gestion, là, tellement que je suis troublé. Une fois de plus. Ah, ça part assez vite, le bois, hein, en charbon. Ah bah voilà, là j'avais les 10 de bois dur. Ah bon, c'est pas grave, ce sera au prochain passage dans la maison communautaire. T'arroses l'hiver sous la neige? Bah écoute, moi je suis... C'est vrai! Je t'accorde le fait que... Au niveau logique, ça paraît saugrenu, mais je me méfie de la mécanique de jeu. Je veux être sûr d'avoir une récolte. Je les ai rangés où les épouvantails? Ah, ils sont là. Là, j'ai un épouvantail. Ah bah, c'est bien. Le chien, il garde bien le... C'est un bon chien. Il garde bien le champ. Bravo. Je suis fier de lui. Il a tout compris. Oui, oh, d'ailleurs, je peux me laisser de sortie les épouvantails. Hop, symétrie parfaite. Voilà. Eh, sans déconner, dans le jeu, on n'aura pas vu la journée passer. Et j'aurais fait de la gestion. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Oui, alors attends, j'ai ça. J'ai posté un nouveau pavé ci-dessus.
Ah oui, merci, j'avais même pas fait gaffe. Oui, il y a une gélification de ta diffusion. Ok. Ils ont rajouté une gare et des trains dans le jeu. J'ai jamais remarqué en même temps. Non, ils, ça pas que c'est rajouté, je pense que c'est de base. Mais bah, quand j'y retournerai, je te resignerai, Nayonet, la gare. Une fois, je me suis amusé à courser un train. Ce qui est dangereux, mais qui sert à rien, mais qui est rigolo. Jamais remarqué en même temps. J'ai joué il y a très longtemps avec Narium à ce jeu. Malheureusement, le plaisir était absent. Peut-être que j'y rejouerai un jour pour voir les changements. Si le jeu est plus intéressant à jouer. Bah, surtout qu'il va y avoir encore une mise à jour à venir dans un délai non défini. Où ils vont rajouter des conversations, un lieu. Ça vaut le coup, un lieu. Et ils vont rajouter, je sais plus quoi, des objets, des machins. Ça, c'est bien, ils entretiennent, ils font vivre leur jeu, ils ont raison. Oh merde, chauve-souris. Tiens, prends-toi un coup de maillet dans la gueule. Aïe, chez la guerre. D'ailleurs, mon gourdin, je vais le ranger parce que là, mon arme elle est vachement plus efficace. Ah oui, je préfère le maillet en bois, moi. Ah merde, il y avait une aile de chauve-souris. Oh là. Alors attends, il y a là où il y a le l'arrosoir. Je vais garder le maillet. Ouais. Oui, je peux mettre l'arrosoir là. Il faut que j'y pense le lendemain, surtout. Ah non, attends. La télé. S'il y a une recette de cuisine, je veux la prendre. Vivre à la ferme. Vous vous demandez comment mettre la main sur du quartz raffiné. Mais non, mais elle me l'a déjà dit. Oh. Et vous remarquerez que la météo en hiver, j'en ai rien à péter. Merci Nayonet. Et la sauvegarde vient de se faire. J'ai chaque ébao. Oh, l'âge d'acier est prête. Ah oui, violence. Ah merde, attends, c'est trop tôt, on est tôt le matin là. Il s'est pas encore réveillé le forgeron. Je vais aller faire les champignons mignons. La gamelle du chien, j'ai oublié l'arrosoir. Voilà, il fallait que j'oublie. Et merde. Bien content d'en récolter des communs. Ouch. Oui, alors attends. Ouais, toujours du charbon. Oui, du coup, comme il neige, c'est considéré comme de la pluie. Donc, oui, effectivement, là, j'arrose pas. Ça me surprend. Le fait d'avoir un truc de culture hivernale, ça me... Ah bah... Ah merde, j'ai rangé la houe. Ah, le con. Ouais, c'est vrai que j'ai rangé la houe pensant aller foncer à la mine, mais... Ah, il y avait du ou. Oh là 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 là, je joue mal. Je perds du temps bêtement là. Oui, alors il vend quoi lui? Merde, il ouvre à 9h. On va d'abord aller voir le forgeron.
s'ils vendent pas de graines, ils vendent tout le reste, oserais-je dire. Notre cher Pierre du patelin, là. Salut ma couille. Hache d'acier. Vous avez reçu hache d'acier. Ouais. J'ai plus de thunes. Ah oui, c'est du cuivre qui... Ouais, enfin des minerais qui proposent. C'est quoi dans sa... Oh! Un gland. Eh oh, oh, il faut le planter, le gland. Plantage de gland. Ça fera un arbre magnifique. Merde, non, elle va me voir, Miss Penny. Là. Oui, non. Oh, si je faisais un rapide passage dans la... Oh, le gamin. Oh non, maman fait de la soupe de lentilles pour dîner. Il est trop drôle, Vincent. Je l'adore. Ah, puis il faudrait pêcher. Oh, je me lance dans la pêche aujourd'hui, au lieu de la mine. Ah, la miss. Non, non, elle ne me parle pas. Je te connais pas. Ouais, ouais, elle est très... Elle a raison en même temps. Je peux pas lui donner... Oh, c'est Mimi, le sapin de Noël. Ouais, c'est vrai qu'il y a le défi pêche là avec les calmars. Bon, je vais ranger mon boxon. Je vais essayer de faire un peu de bois. Ah oui, vas-y voir que j'utilise ma nouvelle hache de la mort qui tue. Merde, c'est là où j'ai plus de grosses souches. Ah voilà. Ah, ne me dites pas qu'elle résiste. Ah, et ça donne du bois dur. Tellement que c'est balèze. C'est ça. Merveilleux. Allez, débile-moi tout ça dans le terrain, là. Et puis je fonce à la pêche en bord de mer. Blâme. Donc ça, ce sera pas adéquat. Oui, voilà. Oh, le... J'ai plus d'autres grosses souches dans le... Non? Apparemment non. Bon. Bon bah c'est bien, c'est pas perdu. Ah mais non, j'ai déjà fait. Alors la pêche, la pêche, la pêche. Est-ce que j'ai arrosé la gamelle du chien? Oui. Ça carbure. Oh là 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 là. Les process de macération, etc. Fermentation, ça dure. Hein. Ouais, fais-moi de l'argent. Pas de fer. Alors, les champignons, je les range. Sirop d'érable, je vais le mettre dans le frigo. Ça c'est machin chose. Qu'est-ce que je le petit du c'est l'hiver le ou. Non, attends, je me trompe, c'est le. Mais non, hiver, pas printemps. Ouais, oh, j'aurais d'autres minerais. Sirop d'érable, allez, ou let's go dans le frigo. Oh merde, j'ai donné un coup de... Pff, sur la baraque, n'importe quoi. Sirop d'érable dans le frigo. Je vais re-ranger mon... Voilà, mon arrosoir. D'ailleurs, je vais remettre la hache dans la bonne case de la barre d'action. Merci. Je vais me saisir de mes cannes à pêche qui doivent être là. Voilà, j'ai même droit à un appât. Oh, je sais pas si je... Ouais, pour l'énergie, je prends le jauja prout-prout, surtout que je risque d'en pêcher, malheureusement. Allez, je vais faire l'après-midi et la soirée sur le quai de bord de mer à pêcher. 10 calmars, j'y crois pas du tout. En une seule fois, 10 calmars, j'y crois pas du tout. Un, je serais déjà bien content. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour, monsieur le maire. J'espère que les choses se passent bien pour vous à la ferme. Ouais, est-ce que j'ai un truc à t'offrir, toi? Allez, je suis généreux, je t'offre mon plat de champignons.
Merci, c'est génial. Autant copiner avec le maire. Comme ça, il me donnera des trucs en plus. C'est horrible. Tout est calculé. C'est dégueulasse. La 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 la. Oh, la plaque d'égout est tellement couverte de neige qu'on n'y même plus égout dessus. Terrible, mais vrai. Terrible, mais vrai. Aïe, 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 aïe. Oh! Il y a des belles choses. Ah merde, j'ai pas récupéré ma houe, dommage. Attends, bord de mer. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je dois me brosser les cheveux tous les jours, sinon j'ai des nœuds dans les cheveux. Eh oui, mon cher Elliot. Sinon, tu serais pas le prince à Chocobéen. Oh, il y a des bulles là-bas. Oh, attends. Là où il y a des bulles, c'est qu'il y a de la vie ou il y a quelque chose. Attends, vas-y voir que je te mette mon même son dedans. Merde, j'ai loupé. Pas comme ça. Tu m'étonnes que ça mord. Merde, je l'avais. Ah, je l'avais. Un hareng. C'est marrant ce que je suis en train de manger en ce moment. Ma délicieuse vie réelle, hein. Salade de pommes de terre. Hein. Ah, il y a Willy qui me regarde sur le quai opposé en train de pêcher. C'est un amateur ce Willy, il va me juger. Enfin, il va surtout me juger et me dire que c'est de la merde. Allez, bouge pas, le poisson, bouge pas. Très bien. Ouais, je fais sardine, 8 cm, nouveau record, magnifique. C'est n'importe nawak. Ah, de l'avantage des coins où ça bulle. Bonjour, Rioster. Hop. Oh la vache, je vais faire des sushis maki, moi, avec autant d'algues. C'est énorme. Ah, poiscaille. Poiscaille, trésor. Moi, je veux que le poiscaille. Le trésor, je m'en fous un peu. Bon. Sardine. Ouais, allez, on continue. Oh, avec un peu de chance, je ferai des plats sophistiqués avec ça, moi. Allez, ça remord. Je ferai des plats délicieux. Message de Fanfan 1992. Ouais. La neige me rappelle les télés de l'époque analogique. C'est vrai. Ah! C'est vrai. C'était un jeu pour moi quand j'étais gosse. Que de me battre avec l'antenne de la télé pour avoir la meilleure image et le meilleur son. Ah, les parents, ils étaient ravis que je m'y lance. Et qu'ils aient pas ça à faire. En mode automatique. C'est vrai. Mon dieu, quelle époque. Ah là 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 là. Aran. Ouais, ça te donne énormément. Et je reste au même endroit, ça n'arrête plus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Allez, ouais, bougez. Et la suite, nouveau record. Ouais, journée de la pêche. C'est juste énorme. Et allez, ça re-remord. La 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 la. Ouais, 36 cm le rouget. Qui dit mieux? Allez, 37 cm le prochain. Bon. Ah non, c'est une algue, merde. Enfin, je vais peut-être essayer l'autre canne à pêche aussi. Là. Sardine, 5 cm, elle est minable.
Celle-là, elle n'aura pas de problème à aller en boîte. Encore une algue. Allez, l'autre canne à pêche, ça donne quoi? Ça mord. Ah, la physique est pas la même. Oula, ça me perturbe le cerveau, là. Là, c'est pas la même canne à pêche, punaise. Sardine, 3 cm, c'est de pire en pire. C'est plus réglementaire, là, ce que je pêche. Je serais censé être rejeté. Pour préserver l'espèce. Voilà, j'ai un trésor en plus. Sardine, 13 cm, et le trésor... Une larme gelée. C'est n'importe quoi. Deux, même. Ça va par pair. C'est extraordinaire. J'ai la folie. Ah, il n'y a plus de bulles. J'ai tué le truc, il n'y a plus de bulles. Oh merde, encore un trésor. On essaie de tout faire. Ah non. Ça marche pas. Et hop, le trésor, le trésor, le trésor. Oh la feinte. Ouais, je l'ai bien géré. Oh, mais j'en ai marre des sardines, rikiki. 3 cm, mais c'est naze. Oh, 10 appâts. Sympa, ça. Attends, alors attends. Je vais changer d'endroit parce que... Il n'y a pas un autre endroit où il y a des bubules. C'était trop bien. Revenez, les bubules. Je vais aller sur l'autre plage. Oh, il y a des coraux, j'ai pas de place dans l'inventaire. Merdoum. Qui dommage. Allez, c'est l'heure de la pêche au calmar. Tiens, je vais le faire à la lumière du Schmilblick. Ah bah non, mais j'aurai pas de place dans l'inventaire, moi, si je pêche un calmar. Je suis débile. Non, attendez. Il faut que je... Attendez. Comment j'annule la pêche? Merde, ça mord. Bonjour Christella, oui je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Je suis en mauvaise gestion d'inventaire et en délire de pêche là dans Stardew Valley en hiver. C'est n'importe nawak. Shiradewa, Kemo Nuclear. Ah oui! Oui mais j'ai plus de place. Alors attendez. Ouais, je peux jeter le minerai de quai de cuivre sur le quai. Qui revient. C'est pas cool. Merde. On fait un échange standard, non? Attends, il faudrait que j'arrive à me barrer. Et... Hop. Merde, comment on fait pour quitter rapidement? Ah! Non, attends, il faut que je me barre vers le haut. ah bah non! Bah oui, hein, du coup je l'ai plus, tant pis, attendez. Je vais boire le Joja Cola. C'est dégueulasse. En plus, ça donne très peu d'énergie. C'est une pure merde, on peut le dire. Non, je veux mon calmar. Ça va bien aussi? Ah, c'est cool. Non, j'ai trop mal géré. Je veux du calmar! Bah alors, ça mord plus. Oh non. C'est horrible. Ah. Enfin. Allez. Le calmar bonus. Non mais l'autre, il est fou. 10. Faudrait que je passe plusieurs nuits à pêcher de nuit, quoi. Il est fou. C'est Démétrius, je crois. Oh, un flétan. Oh la vache. 46 cm, c'est pas un petit poisson. Mais non, mais là c'est le même problème. J'ai plus de place dans l'inventaire. C'était mon premier flétan. Et là il va me refaire le coup du calamar que je ne peux pas avoir. Il faut vraiment que je me débarrasse d'un truc. Ah non, c'est autre chose. Un hareng. Non, un hareng j'avais. Ah mais quelle horreur. Oh, la sardine elle est de luxe. Elle est qualité or. Merdoum. Ah, oh, je suis coincé. Je
Je suis coincé. Oh, c'est ballot. Je mange mon flétan. Pourquoi pas. Hein. Soyons fous. Ça va me libérer une case d'inventaire. Ouais. Hop, elle retrouve de l'énergie. On va tenter le calmar. Merde, j'ai cru qu'il y avait un truc. Ah. Un calmar. Quoi? Encore un flétan? Oh là là. Hop, manger, comme un chat. Ce jeu est vraiment rigolo. Merde, ça mord plus. Ah, j'aurais dû choisir un autre endroit. Ah, ça y est. Ah, saleté de cochonnerie de saleté. Oh, un thon albacore énorme. Oh bah merde alors. Oh bah méline. Ouais, le rouget, c'est n'importe quoi. Allez, dernière tentative d'avoir un. Non. Mais merde. C'était de l'autre côté du quai que je voulais. Allez, espoir. Espoireux d'un soir. Eh ben non. Bon, tant pis, allez, je rentre. Ah, merde, j'avais le... Ah. Attends, oula, je vois plus rien. Entre la neige et la nuit, je vois plus rien. Waouh. Oh là là, elle va pas être dans son plumard à minuit. Ouh tchou tchou. Bah, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Si tu veux vraiment que le poisson morde, n'oublie pas de mettre un appât sur ton hameçon. Oui, merci. La vache, l'autre, il se promène sur les quais à minuit. Oui, il se fait tard. Oui, je vais avoir un malus d'énergie au petit matin. Merdoum. Toi aussi, tu te promènes à minuit? Le temps semble avancer plus lentement ici. Je m'attendais pas à croiser du monde dans le village en pleine nuit. Surtout en hiver. Wouah! Il se passe des trucs... Non mais... Je vais apprendre à la fin du jeu que c'est une secte, le village. Ils se réunissent... Oh oui! Il y a de la mousse! Merveilleux! Allez, dodo. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, je peux faire... Ouais, donc, voilà. Bonus pêche, niveau 3. Plus 5, compétence canne à pêche. Quasi à crabe, je peux les faire maintenant. Et plat de la mer, j'ai appris à le faire. Oh. C'est cool. C'est quoi la recette à la télé, là? Il n'y a pas de recette à la télé. Bon. Je vais snobber la télé. Alors, les poissons... Non. Oui, il peut être utilisé en cuisine, mais je vais le mettre dans le frigo, ça. Je vais le mettre dans le frigo. Non. Ah, oui, il me faut l'arrosoir. Non. Ah, j'ai une défectuosité sur la gâchette de la manette qui se fait vieille. Et il part par défaut sur la droite. Ça me fausse pas mal de trucs dans mon jeu. C'est chiant.
C'est chiant. Alors, je vais vendre les mousses. Vendre des mousses, bière blonde. Ah merde, Pam en voulait une. Oh, je suis pas prêt de la revoir, Pam. Je lui livrerai au printemps. Alors, j'ai une demande inhabituelle. Peux-tu garder ça secret? Je veux que tu livres une améthyste à Emily. C'est sa pierre préférée. Dis-lui que c'est bien de ma part. Clean. Ah, on va jouer les entremetteurs. Attends, une améthyste? Ah non, j'ai dû la vendre précédemment. Mais j'aurais vite fait d'en retrouver. Je me fais pas de soucis là-dessus. C'est courant, l'améthyste. Bah tiens, quand je suis dans les produits de la mer, je vais manger le coquillage. Ouais, les larmes gelées, c'est... Oh la vache, c'est de la gestion à faire, là. Ouais, minéral. Ah tiens, puis je peux faire le recyclage aussi. Oh là, ça se complique, Stardew Valley. Il y a de plus en plus de trucs à faire. C'est énorme. Ce jeu est énorme. Là, je fais ça. Alors, il me faut du houblon, il me faut des fruits. Qu'est-ce que je vais faire macérer, moi? D'ailleurs, c'est bête, mais je vais délocaliser mon bocal, là, comme je vais tous les réunir. Ouais, non, les murs, franchement, c'est le bon plan. Alors, attends, vas-y que je te délocalise, toi. Toi, tu vas rejoindre les autres. Oui, voilà. Ouais, je vais attendre d'être synchro avec tous les trucs. Je vais pas remettre tout de suite. Autant que je fasse... Salut, toi, c'est mon bon chien. C'est mon bon toutou. Alors, on va faire les champignons mignons. Oui, que des communs. Ça me va très bien. Tac, tac, tac. Ça me fait de la bouffe pour la mine. Alors, avant justement d'y aller à la fameuse mine. Houblon, 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 houblon. On va refaire des mousses. On refait des moumousses. Ouah, j'ai encore du... Manger houblon, mais quelle horreur. Ça va pas, non? Quartz raffiné, oui. Non. C'est vrai que mur et houblon, la vache, oui, ça va être un peu space de gérer ça. Ouais, c'est de l'automne, la mûre, en fait. Mais est-ce que je ferais pas un coffre à côté du truc pour dire c'est... Je le ferai ultérieurement, mais ce sera vraiment à faire. Ce sera vraiment à faire. Je range l'arrosoir et on fonce dans la mine. Dans la mine, dans la mine. Ouais. Minage à gogo. Gogo to the minage. Ah, j'ai... Non. Je suis sûr que je passe à côté des trucs parce que j'oublie de prendre un... Maou, j'ai pas repris Maou et j'ai les... Ah, puis je donne toujours rien au pauvre Linus. Je vais lui donner un champignon, c'est un peu la misère, mais bon. Toc toc. Salut mon gars. C'est un cadeau formidable, merci. Ah bah quand je passe de temps à autre, faut que je lui donne un truc. Le pauvre Linus. Hop 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 hop. Pour moi ça lui fait un peu à bouffer. Faudrait que je lui fasse des plats, ouais, Linus. Au moins qu'il ait à manger convenablement. Alors. Oh merde. Oula. Ah merde, j'ai pas repris mes armes.
Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais non, mais... A plus, Taïonet, bonne journée. A plus. Merde, mais je suis un crétin. J'ai oublié de prendre mon... J'ai oublié de prendre mon arme. Oh là 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 là. Donc, ça va être une journée pêche. Oh merde, Oum. Et puis j'irai à la mine dimanche. Voilà. Oh la perte de temps. Oh la faute stratégique. Aïe 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 aïe. Ça craint du boudin. Merde, 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 merde. Faut pas que je me sépare de mon maillet, moi. Mon maillet de guerre, il est où? Alors déjà là-haut. Non, je vais prendre juste celle en bambou, moi, la classique. Attends, il est où mon maillet? Ah, mais non, mais je l'avais. Il était en deuxième position. Oh. Dur. C'est pas grave, tout va bien. C'est ça. Va friter, là. À coup de maillet. Bien sûr. Déboîte la machine, tout va bien. En fait, elle est vénère aujourd'hui. Elle en peut plus, Samantha. Elle est au bout de sa vie. Elle déboîte tout. Elle arrive sur la place du village, elle voit le maire. Bonjour, monsieur le maire. Brisage de nuque. Oh bah non, je voulais lui faire un câlin. L'horreur. Oh non. Aïe, 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 aïe. Ah tiens, allez. Ceux qui se battent en duel. Racine d'hiver, bah ça me fera de l'énergie. Oh là là, oh là là. Eux, ils se réunissent pour aller à l'école. Zel Penny et les Ptio. C'est pour aller à l'école. Alors, les coraux. Je veux les coraux avant la pêche. J'ai regretté de ne pas... Oh, il y a même un oursin. Voilà, j'avais trébuché sur le machin là, moi, de nuit. Précédemment. Oh, il y a des momouettes. Bonjour les momouettes, pardon, je vous embête. C'est bizarre, je récolte. Oh, on dirait presque un chemin là. Oh, oh, oh. Ça cache quelque chose, ça. C'est un chemin qui dit pas son nom. Alors. Hop, mon quai favori. C'est reparti pour un tour. Voilà. Bonjour, Tonta. Aïe, 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 du suspense de la pêche. Ouais, le hareng de 41 cm. Je dis oui. Ouais, excellent lancé en pleine mer. C'est parti. Oh, un concombre de mer. Putain, c'est mon tout premier. C'est incroyable tout ce qu'il y a à pêcher. C'est fou. C'est fou. Ça va venir. Ah, des algues. Ah, t'as la pêche aujourd'hui, Torota. Enfin, je te le souhaite. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça mord ou quoi? T'as déjà 15h dans le jeu. Message de Torota 77. J'ai vu que tu avais une bonne connexion avec Linus, mais si sa connexion marche moins, on peut l'appeler Linux. Alors, tu rigoles, mais je crois que c'est un hommage. Parce que le créateur de Linux,
c'est Linus Torvald. Ou Torvald, je ne sais plus comment on prononce. C'est lui qui était parti du noyau d'Unix, un autre système d'exploitation ancien. Il avait fait une interprétation propre du noyau d'Unix, c'est devenu Linux. Et d'ailleurs, la mascotte qui est un pingouin qui s'appelle Tux, le pingouin ou manchot, je ne sais jamais la différence. En fait, c'est en allant dans une sortie en famille, il est allé dans un zoo et il s'est fait pincer le doigt en présentant sa main à l'animal. Il s'est fait pincer le doigt. Message de FunFan 1992. Est-ce que Linux a été créé avec le Cortex? Ah oui, tu fais référence au dessin animé. Il s'est fait pincer le doigt par l'animal et il s'est dit « Ouh la vache, c'est plus puissant qu'il n'y paraît. » Et à partir de là, il dit « Bah tiens, ça va devenir la mascotte de mon système d'exploitation. » Wow, le hareng de 48 cm. Allez, je vais changer de quai. Je vais essayer de rebattre les cartes. Je vais aller sur un autre quai. Tiens, là, ça pêche quoi? C'est considéré comme de la rivière et pas de la mer ici, je présume. Est-ce que je pêche un truc différent? J'aime mort. ça se débat. C'est un hareng. Bon, visiblement, c'est considéré comme étant les mêmes os. Hop là. Ah oui, c'est pas con, tiens, je vais manger des racines d'hiver. Ça me redonne de l'énergie, c'est une bonne idée. Ah, attends, elle est... Ah non, je crois qu'il était en or. Non, c'est le corail qui est en or. Qualité or. Oh, j'en ai plusieurs en plus. Oh, trop bien. Yeah, au max. À mort. Oh la vache. Oh, c'est trop vif pour moi. C'était quoi le machin? Non mais ils sont... Qu'est-ce qui arrive là? C'est quoi ces eaux là? Qu'est-ce que c'est que ces poissons qui détalent à 600 km/h? Enfin, on est dans l'eau, donc ce serait plutôt mesuré en nœuds. Bref. Il est beaucoup trop vite. Ah, celui-là, il est cadeau. C'est un flétan. 64 cm. C'est énorme. Oh, cette prise de fou. Cm. Oh, les beaux spécimens. Moisette. Vous du doux. Merde. Trop dur.
Oh là 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 là. Toujours du hareng. Merde. Ah, je regrette le calmar. Ça me bouffe. Ça me bouffe, ça me bouffe. Il n'y a plus rien. Ah si, ça y est. Il faudrait que je me plaigne pour que ça arrive. Lalalala. Ça remord. Encore un peu. Oh, 71 centimètres. C'est la folie furieuse. Albacore, 66 cm. Ouais, qui dit mieux? Oh là là, il est déjà super tard. Non mais les calmars, c'est juste impossible. Faut qu'ils arrêtent. 10 d'un coup, c'est neuf. Voilà, j'ai rien à faire. Magnifique. Ah, oh, c'est encore flottant. Je veux un calmar. J'en ai marre. Je veux un calmar. cm. Revenez l'année suivante. Je fais des calmars d'1m50. Un truc de fou. Je vous pêche le kraken. M'en fous, je serai pas enfant pour le lendemain. Non. Il va être minuit passé. Ah, je suis déchaîné. Je veux le calmar. Oh non. Oh non, j'ai plus de place. Oh non, non, non. Quelle horreur. Quelle horreur. Je suis dégoûté. J'ai merdé le calmar, je suis deg. Oui, il se fait tard, allez, où? Même lui, il va aller se pioter. Merde, elle est où la sortie? Je sais même plus, on voit rien, au secours, c'est la nuit. Pourquoi il n'y a pas d'éclairage public? Merde, je suis coincé dans le cimetière, je suis pas allé là où il fallait aller. Oh non. Aïe 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 aïe. Ah. Allez, vas-y. Produits de la mer, allez, les coraux, les machins, les choses. Oh! Le flétan, il est qualité au-dessus de l'or. Il est qualité délirium, là. C'est ça qu'il faut que j'expose au présentoir. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Waouh. Oh merde, il y avait un gros vilain, là. Un gros vilain qui a voulu m'agresser. Attends, il est tellement énorme qu'il faut surtout pas que je cuisine, lui, le...
le chose en... Attends, je vais me mettre où? Je vais me mettre là. Oui, je vais me mettre là. Il est exceptionnel, lui, le flétan. Oh la vache, elle va être défoncée le lendemain matin. Machine de recyclage. Ah oui, je ne savais pas la fabriquer. La précédente, je l'avais gagnée. Exact. Eh ben, c'est très bien. Oh, ça rapporte les mousses. Il faut que je me lance dans la bière. Oh là là, il faut. Oh, alors je vais devenir brasseur. C'est génial la thune que ça rapporte la bière. Ah, c'est qui? Ah, Pierre. Bonjour Samantha. Alors ta première année à Stardew Valley est presque terminée. Oui, c'est vrai en plus. Si tu continues à acheter des graines chez moi, tu pourras faire pousser deux fois plus de récoltes l'année prochaine. Oui, avec plaisir. J'ai d'excellentes nouvelles. Ah bon? Je vendrai des nouvelles variétés de graines dans mon magasin l'année prochaine. Je devrais avoir une nouvelle variété par saison. Oh, énorme. Eh bien, c'est tout ce que je voulais te dire. Passe une bonne journée. Merci. Ah non, il voulait me dire encore un truc. Oh, il n'est pas content. Tu sais, je ne prendrai même pas la peine d'acheter les graines de mon concurrent. Les graines de Pierre sont de la plus haute qualité. Des graines comme ça, il en existe nulle part ailleurs. Tu peux me croire sur parole. Oui, non, je vais pas au jojoba machin, moi. Je profite du commerce local. Samantha, comment ça va? J'ai joint une recette pour préparer l'un de mes plats de poisson préférés, Linus. Sashimi. Oh, merci, Linus. Il est adorable. Bonjour, Samantha. Demain, nous nous rassemblons tous devant la maison de Marnie pour le festival des glaces. C'est la fête de l'hiver. Il y aura des bonhommes de neige, des sculptures de glace et un concours de pêche sur glace. Venez entre 9h du mat et 14h si vous voulez participer. Oh merde, ben ça sera un lundi, donc ce sera ma prochaine session de Stardew Valley. Merdoum, attendez. Ah merde, j'ai oublié de ranger l'algue et le calamar. Enfin non, le concombre de mer, pardon. Je vais re-ranger ça rapidement. Ah, attends, message l'algue. De Torota 77. Oui. Après avoir vu que les bières se vendaient bien, le sage a décidé de se faire moine pour faire concurrence. Chaussé et au moine amine. Excellent. C'est ça. Oh mon dieu. Oui, je vais faire concurrence à Nash, lui, qui fait dans les liqueurs et les chartreuses. Exactement. Lui, il a le logo du fouet, et moi, sur mes bouteilles, il y aura le logo de la bergamote de Nancy. C'est tout un concept. Eh, vachement rentable l'hiver, finalement. Quand on le gère bien, l'hiver est vachement rentable. Attendez. Que je mette des fruits à macérer. Des fruits à macérer. Attends, c'était quoi le truc bleu? Ah oui, graines anciennes. Non, c'est pas les graines de l'hiver. J'ai cru à une erreur de gestion. Hey, le raisin. Mais oui. Le houblon pour la bière, mais le raisin pour le vin. Il faudra que je fasse plein de tonneaux. Oh là 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 là, ma fortune est faite. Je crois que j'ai trouvé une dynamique commerciale imparable. Waouh, ça me plaît. Là, je crois que ma partie est vraiment bien lancée. Merde, si, je les ai tous. Ah oui, j'avais peur d'en louper. Merde, j'ai pas mon arrosoir. Il faudra que j'arrose la gamelle du chien. Minute. Minute papillon. Minute, là il y a du bois à faire, enfin, du charbon. Réfléchissons, il y a un déchet à recycler, allez vas-y que je te recycle toi. Allez, blanc dans tes dents. Hop, j'en mets le minerai là, ça je le range. Ah oui, il faut que je range ma canne à pêche, que je prenne l'arrosoir. Je range la canne à pêche, je prends l'arrosoir. Alors, je prends l'arrosoir, je range la canne à pêche. Et on va aller à la mine. Dans la mine. J'ai bien mon truc de baston, on est d'accord. Bonjour, toi. Tac. J'ai pas fait les champignons. Je vais faire les champignons, moi ce sera fait. Et je vais pouvoir reposer l'arrosoir ensuite. Allez, zou. «
Je dépose les champignons mignons et l'arrosoir et je me barre dans la mine à fond les ballons. Tac 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 et je dépose l'arrosoir là. Oui, je retiens. De toute façon, je vais tout le temps dans ce coffre alors. J'aurais pas de mal à retrouver. Merde, il y a déjà des choses, des trucs. Oh oui! Minerai de cuivre. Et là, j'ai du ouh. Mais il est où le ou? Le petit oiseau. Ah oui, tiens, en parlant d'oiseaux en hiver, moi j'étais surpris, mais tout à l'heure avant de prendre faire ma prise d'antenne, j'ai entendu des pigeons roucouler sur le bord de ma fenêtre. On est à quelques jours du jour de l'an, tout va bien. J'ai pas souvenir depuis bien longtemps d'avoir entendu des pigeons roucouler sur le bord de ma fenêtre en hiver. Là on se dit qu'il n'y a plus de saison. Et là c'est la guerre thermonucléaire. Allez c'est parti, la mimine. Ah merde, il y a le fantôme de mes deux. Déguste de mon maillet toi. Hey, j'ai un maillet en bois, si je peux en faire un maillet en or ou je sais pas quoi, ça doit faire des dégâts de malade. Mais ça devient Diablo en fait. C'est... le jeu devient Diablo là. Plus je descends, plus j'ai des créatures. En bas tout au fond, il y aura le diable. Ou un perso à déverrouiller. Oh bien, elle est efficace. Elle est trop forte, Samantha. Ouais. Allez, Samantha, t'es la plus forte. Burp. Elle cachait des cailloux. Ah, bonjour Poupon. C'est notre pandarou breton. Alors, ben moi, concernant les oiseaux, je croise de moins en moins de faucons et de plus en plus de vrais cons. Excellent. Aïe, aïe, aïe. Ah... Alors... Hop, niveau inférieur. Merde, si j'arrive à cliquer convenablement. Oh merde, oh là, oh là, oh là, oh l'agression. Ils viennent pas dire bonjour, eux. Ah du quartz. Ah oui, du caillot. Des tonnes de cailloux. Je pète tout. Poil au cou. Eh, quand même de l'intérêt d'avoir un bon outillage. C'est vrai qu'il faut pas négliger ça. Ah, la suite est par là. La suite est par là. Oh, je pense que je vais atteindre le niveau 60, non? Remarque, il est déjà 13h30 dans la journée. Oh merde, ça annonce une vague d'ennemis là. Oh là là. C'est la guerre. Ah, me fait encercler par les chauves-souris. Attends, j'en profite pour péter les cristaux aussi. Attends, tu demandes tes cristaux. Encore ? Ah, c'est une sacrée vague. Ah, bien une bête. Oh, je suis là. Et bon.
Bon, je crois que j'ai écumé complètement les lieux. J'ai écumé complètement les lieux, c'est merveilleux. Ah merde, il y a un fantôme de mes deux. Oh, l'améthyste pour Emily de la part de Clint, le forgeron. C'est ici maintenant. D'ailleurs, l'autre, il me l'a offerte. Pas mal la scène. Pas mal, pas mal. Oh, je gère très bien. Oh oui! Magnifique! Comment que j'ai pataté tout le groupe d'ennemis? Trop bien. Ah, c'est du cuivre. C'est du cuivre. Ça, c'est du fer. Il faut de tout. Rien n'est pelle d'eau dans Stardew Valley. Merdoum. Chauve-souris. Voilà. Je l'ai déchiré en deux. Il y a l'ince. Allez, bring. Allez, vas-y. Oui! Il y a beaucoup de minerais de fer. Je prends, c'est trop précieux. Oula! Patatage de chauve-souris en règle. Ah. C'était son cri de la moelleté. Merde, j'ai plus d'énergie. Attention, il va y avoir une enquiquineuse. On la voit arriver. Attends, j'ai le temps de manger un morceau. Je me dope. Je reprends l'arme en main. Et... Ah non ! Ah non, il me fout une vague d'ennemis. Le jeu qui me balance une vague d'ennemis. Viens là ! Oh là là, je vais me faire croquer. Ah, et pan. Ouais, je me suis fait croquer quand même. Mais c'était violent. Bon. Ouais, tu peux remanger un. Ouais, joli. Il y en a encore? Ah oui, il y en a encore. Oh, les vilaines bêtes! Ça n'arrête plus. Ouais, je crois que c'est la dernière, elle. Va mourir! Oh, magnifique. Ah non, c'était l'avant-dernière. Non, mais c'est pas bientôt fini, oui. Ah la vache, c'est le niveau des chauves-souris, ici, les cavernes de glace. Truc de fou. Oh non, il va être 20h, je suis même pas... Oh là là, je suis mal barré pour atteindre le niveau 60, moi. Musique au piano. Nous avons installé un piano bar dans le 58e sous-sol de la mine. Le barman squelettique va vous proposer un Bloody Mary. Ce serait pas mal. Ah ! Wouah ! Oh oui ! Non, mais très bien. Elle est au bon niveau, la miss. Très, très bien. Alors, attends. Attends, là, faut que je me manie les fesses, parce que si je veux atteindre le 60e sous-sol, il faut que je prenne que le minerai de qualité et je me barre. Mais il va que gueuler, oui. Oh, magnifique, j'ai le choix. Alors attends, vite, rapidement. Non, il n'y a que de la mouise. Ah, il y a une sacoche. Oh, du charbon, génial. Eh ben, je vais me contenter de ça, ça me va très bien. C'est un merveilleux cadeau. Alors... Ah, une caisse de je sais pas quoi. Minerai de fer. Oh là, c'est en spirale, le machin. Ah, je peux me barrer. Énorme.
Oh, la dague en cristal. Vous avez reçu la dague en cristal. Je crois qu'on est dans Zelda, là. Ah, pas mal. Ouais, mais je préfère mon maillet de bois qui défonce tout. Oh! On peut pêcher. Oh! J'ai scandalous. Nanana. Non, je déconne, je me barre. C'était pour voir s'il y avait un nouveau thème, en fait. Ah. Eh bah, trop bien. Oui, c'est rigolo, on peut suivre tout le monde à la trace avec les pas dans la neige. Alors, c'est le truc tout con, mais ça rend vachement réaliste le jeu. Mal fréquenté ces grottes. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais c'est dingue. Dites-vous que j'en suis qu'à la moitié. Je suis au 60e sous-sol, il y en a 120. C'est... Franchement, respect. Oh la vache. L'ombre du piaf. L'ombre qui fait peur. Ah, génial. Attends, j'ai encore un peu de temps pour gérer les mousses de nuit. Oh là là, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Non, mais non, je veux pas acheter le poireau. Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire, pardon. Je me dis, mais pourquoi il me refuse le truc, lui? Minute papillon. Ah bah, je vais faire cuire le quartz de nuit, comme ça prend du temps. L'améthyste, il faudra que je l'offre à Emily quand je la verrai, en disant que c'est de la part de Clint. J'aime bien. Ça digne des feux de l'amour, je sens le jeu, là. Il va y avoir des histoires de couple. Dans la longueur, ça va me plaire. Ça va me plaire. Le houblon. Non, mais oui, il y a le houblon. La Jet qui dit, mais on peut tout faire dans ce jeu, on est obligé de suivre des quêtes ou on peut devenir un ermite de la montagne. Oui, un ermite de la montagne. Bah, tant que t'arrives à gérer ta bouffe, et encore. Non, ta santé et ton énergie est renouvelée chaque matin quand tu dors. Donc oui, tu pourrais faire ton ermite, ouais. Tu pourrais complètement snobber le jeu, mais t'aurais des interactions limitées puisque t'aurais pas de thunes. Mais ouais, c'est vrai. Je pense que c'est crédible. Les compotes, là, ça se fait, les... Ouais. Coffre hiver. Ah oui, j'avais dit que le quartz, je le mettais... Alors, attends. J'ai ça à mettre à la vente aussi. Et j'ai le quartz à faire fondre. Nickel, chrome. Alors, la petite dague, je vais la ranger, puisque je vais pas m'en servir. Elle est trop peu puissante. Ah merde, le houblon, je l'ai pas rangé. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Allez, zou. Ouais, c'est tard. Ah, bah suite au prochain épisode. Oh, bien. Oh là 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 là. Bien. Attends, dans le détail, ça donne quoi? Ah ouais, 4 gelées de mur. Ouais, c'est 90 à l'unité, la gelée de mur. Et 300 la bière blonde. Oh là là. Je vais devenir vraiment brasseur. Brasseur, ça rapporte à donf. Ah non, mais le printemps suivant, je vous fais 1 km de haies de houblon. Je fais que ça, quoi. C'est une dynamique de malade. Allez, zou. Suite au prochain épisode. C'était Stardew Valley. Là, on va faire du Arx Fatalis. Bon app, à tout à l'heure, fan. Ouais, je vais faire 1h30 d'Arx Fatalis. Et puis à 14h, je suis relais de chaîne à Aerostar. Alors attendez, que je gère mon interface et pas mon interface. Bon appétit, à plus, poupon, dans la bûche. Alors, zou.